Hop là, on se retrouve pour la partie sur le casino espagnol. Donc actuellement, casino espagnol, je suis dans le rouge de moins 709. Bon, le casino anglais, j'ai fait un abandon parce qu'apparemment, je suis pas chanceux chez eux. 3 fois 4000 balles de paumé. Alors, balance 7230 et 55 centimes. Allez, des mises à 35, on va essayer. Un petit big win d'entrée, 787. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est lors des free spins, les symboles statiques pour les spins suivants. S'il y a du big win d'entrée, c'est éventuellement du big win pour chaque spin. Alors, deuxième big win. Ah, 2100, ok. Ok. Donc là, on est bien. 9888. Chaque partie de machine à sous pouvait se dérouler comme ça avec du big win d'entrée. Ça, bien sûr, c'est plutôt rare. Ça faisait un petit moment que j'avais pu tester ce jeu. Alors un petit free spin serait pas mal. Bon, ça risque éventuellement de tarder. Alors faudrait quand même pas bouffer le bénéf. J'avais commencé à 7230. Jolie performance en début de partie. Alors, il file plus rien. Hop. Est-ce qu'il va bouffer le bénéf? Est-ce qu'on va redescendre à 7230? Alors, hop. Allez, fonction activée. Hop. Alors, si on peut avoir du win d'entrée. Pas de big win, c'est bien dommage. Ce qui est intéressant avec ce jeu lors des free spins, c'est aussi un big win d'entrée. À chaque respin, hop, on se tape du big win. Bon, mais là, c'est cacahuète. Alors, voilà, sans déconner, pas très généreux au niveau des free games. Et 77 euros, d'accord. Ça peine un peu plus qu'un x2 par rapport à la mise, donc là c'est comment dire, un petit peu abusé. Alors, on va essayer ça. Hop, des mises à 50 balles. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Hop. Ben, je pensais que ça allait raquer plus. Bon, ben là, avec des mises à 50 balles, si je vais payer que dalle, je vais vite cramer le bénef et passer en dessous de la balance de départ.
Ah, les fonctions activées à 50 balles. J'espère que ça va faire mieux que tout à l'heure. Alors là, 3-7. On peut en avoir un quatrième ici. Hop. Alors, big win. Ça, c'est intéressant. Ce sera du big win à chaque spin. Alors, peut-être avec un peu de symbole supplémentaire. Pas de symbole supplémentaire pour celui-là. 1565. Il reste 3 free games, donc 3 big wins. Alors celui-là il est peut-être un petit peu plus gros. Alors 1790, c'est pas mal, c'est pas mal. On a 12 000 balles. Alors, ça me lâche encore un set en plus sur un des derniers spins. Allez, le dernier. Pas de 7 en plus. Alors quand même, 8712 de gagnants, on passe à 16 000, ça c'est intéressant. Et voilà. C'est clair qu'entre le premier round de free spin et celui-là, c'est le jour et la nuit. Alors, hop, des mises à 35, on va tenter poursuivre un petit peu la partie. Premier free spin, ça avait payé que dalle, 60 et quelques. Les deuxièmes, bah là c'était un win monstrueux. Alors du coup 15 000 balles, du coup on va repasser largement dans le vert sur le casino espagnol. Bon, ben, espérons pouvoir en faire la même sur la partie suivante de ce jeu chez les Ruskov. Alors, un petit prochain big win à venir peut-être. Alors, ça c'est intéressant. 787. Bon, de toute façon, je me fixe une limite à 15 000 balles, je ne descendrai pas plus bas. Ah, 4 jokers, joker split. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de beau? Troisième round de free spin, on va voir. Bon, après ça, ça arrête partie direct, donc espérons que ça rack. Voilà, malheureusement, on n'a pas de gros win d'entrée. Tout à l'heure, on avait eu les 3-7. Là, ils sont sur une ligne avec le multiplicateur x1 seulement. Alors, 2 jeux gratuits de restant. Là, 171 balles de gagné, c'est que des mises à 35, mais quand même. Ouais, 3 rounds de free spin, 2 qui ont payé des cacahuètes, puis 1 qui a payé des wins monstrueux. Alors, hop, 15986, 15986. Allez, mise maxi à 100 balles, de toute façon, je me fixe une limite à 15 000 balles, donc... Alors, on va voir... Et ben non, après les free spins, c'est que des spins perdants. Alors 15 balles, allez, un petit dernier. Ah, 5 of a kind. Alors joli, un big win. Ah ben d'accord, 8125 balles, ok. Ok, bon ben ça c'est du high symbol, multiplicateur x2.
Bon, ben, j'ai bien fait d'augmenter les mises maxi, de continuer un petit peu. Bon, ben là, quand même, il est temps d'en rester là. 23 000, c'est magnifique de magnifique. Ben, du coup, on est bien enlevé en bénéfice sur le casino espagnol. On avait bien besoin, parce que là, sur le casino English, c'était triple méga torchade. Allez, petite pause, je vais enquiller chez le casino russe. On va voir donc ce que ça donnera, en tout cas là. Magnifique, j'avais commencé à 7 230, on termine à 23 126. Bon, je précise, sacré coup de bol que le jeu il est raqué de Tailwind, ça c'est une petite précision.